C'est tout à fait normal hein, que je vienne quand même saluer nos enfants et surtout que le président de la fédération, c'est M. Sidi Diallo, qui est un frère à moi. Il sait pourquoi je le dis. Et c'est tout à fait normal que quand vous foulez le sol belge, surtout à Liège, qu'on appelle la cité ardente, c'est tout à fait normal que je vienne les saluer pour voir un peu comment ils s'entraînent et comment ils vont se produire très prochainement à Rotterdam. C'est une équipe qui est en reconstruction. Mais malheureusement, nous, frères ivoiriens, ils aiment la victoire tout de suite. Mais quand on construit une équipe, il faut du temps. Il faut laisser le temps à l'entraîneur, il faut laisser le temps aux dirigeants de bâtir cette équipe. Mais j'ai confiance parce que tous ces jeunes que nous avons vus, c'est surtout des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Ils connaissent le football, ils savent comment il faut faire. Et je suis persuadé que dans quelques temps, la Côte d'Ivoire aura de très bons résultats sur le plan sportif. J'écoutais il y a deux jours un entraîneur d'une grande équipe qui a gagné un grand trophée l'année dernière, qui se plaignait un peu de l'amateurisme des dirigeants de ce pays. Mais là, je constate que vraiment, c'est très bien organisé. Et surtout, il y a une très bonne ambiance.